Il y a relance sur François. Je ne voudrais vraiment pas vous voler la vedette. Attendez, là, c'est vous qu'on attendait. Non, mais là, là c'est intéressant de vous entendre là-dessus. On y va. Françoise. Donc, Karl, vous publiez un bouquin qui est une espèce de best-of qui s'appelle « Ils ont osé le dire hein, » et qui est une espèce de... best-of de tout ce qui a été dit dans votre émission par les hommes politiques. Voilà. Balladur, par exemple, à un moment, vous lui demandez de fredonner une chanson de Johnny Hallyday. Et il répond, je suis enroué aujourd'hui. Il aurait pu répondre ça. Je vous demande de vous arrêter. Di Falco, vous lui dites qu'il ressemble à Richard Chamberlain, le héros des oiseaux se cache pour mourir. Il vous répond que ça l'emmerde. Ça l'emmerde, qu'on n'arrête pas de le comparer à... C'est bien un évêque qui dit ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est à chaque fois qu'ils sont sortis, qu'ils sont borcades, qu'ils sont sortis un peu de la limite, où parfois ça fait rire, parfois même ça fait réfléchir. Ouais. Et il y en a certains que j'ai pas mis, que j'ai interviewé parce que j'avais rien trouvé. Ouais. Ben, il y a Juppé, c'est pas mal, il y a ce qu'on a vu. Ouais. Il y a... À un moment, vous lui dites, quand vous étiez petit, vous vouliez être évêque, il dit non, pape. C'est bien Juppé, ça, hein, vous qui le connaissez. Hein. C'est tout Juppé, très simple comme mec, très sympa. Vraiment... Vous aimez Juppé? Oui. Ah, vous avez été jupette, vous? Oui. Et vous avez été viré avec toutes les jupettes? Oui. Et vous lui en voulez pas? Non. Pourquoi? Alors, sur le moment, vous lui en avez voulu. Sur le moment, c'est vrai que j'ai réglé le problème en une semaine d'une manière un peu brutale. Ouais, mais c'est quelqu'un que j'ai... Tu lui as renvoyé les cadeaux, là. Que j'ai retrouvé après, sur le chemin, et c'est quelqu'un que... Le problème, c'est qu'après, vu qu'il était au bord du chemin, voilà. Il était moins prétentieux. C'est tout. Bien. Alors, il y a Mesmer aussi, qui vous dit Chirac, peut-être même qui croit qu'il est gaulliste. Je trouve ça formidable. D'où ce plaisir, lui, c'est pire que tout. Il dit un truc drôle, Mesmer, je ne sais pas si c'est dans le bouquin, mais il m'a dit que le RPR allait bientôt se réunir dans une cabine téléphonique. Ouais. Juste Blasie, vous lui dites, à un moment, il vous dit qu'il a joué dans un groupe de rock dans les années 70 et qu'il n'a jamais fumé un pétard. Ouais. Ça, c'est le plus incroyable de tout le bouquin, ça. Trottmann, Catherine, que je salue ici. À un moment, vous lui demandez si elle va augmenter la redevance, elle vous dit que non, vous lui dites, jurez-le. Et elle dit, je ne jure pas. Il va bien falloir augmenter finalement, oui. Bien, non, c'est très bien ce bouquin-là. Je vous conseille de l'acheter pour ces... Allez, attention. 1, 2, 3. Bon, alors, vous appelez Marc Thélen. Ouais. Vous avez un frère qui s'appelle Bruno Thélen. Que vous connaissez bien. Que je connais très, très bien, qui est Basile Decoq, en fait. Moi, j'ai une qui s'appelle Tante Hélène. Tante Hélène, absolument. C'est vrai. Et ma mère s'appelle Hélène. Alors, votre frère, il publie un bouquin aussi. Oui, le manifeste footiste. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est le footisme. Ben, c'est-à-dire qu'il pense qu'il faut se foutre de tout. Ouais. Et t'as pas fait pub, là. Ah oui, appuyez. J'en ai d'autres aussi, hein. Ouais, tu as quoi? Ben, j'ai ça, par exemple. Ah, gros nid. Pas mal. Oh là là, par exemple, alors, qu'est-ce qu'on peut faire, les enfants? Qu'est-ce qu'on va leur faire? Ah, on va leur faire ça, tiens. Vous êtes prêts? Oui, ils ont répété, hein, quand même. Ils ont répété, regarde ça. Karaoké, voilà, ouais, si vous voulez, vous aussi, si vous voulez militer pour le retour de Patrick Sabatier à l'antenne, appelez le numéro qui s'inscrit sur l'écran en ce moment. Merci. Le 12. Et puis il y a ça aussi. C'est pas mal ça. C'est la lune. C'est Bénur, ça, c'est quoi ça? Voilà, ben, il m'a plein. Bien, Bénur, non? Merci. Génial, bravo. Pas mal, pas mal. Bravo. Bravo. Bon alors, la promo du bouquin. Un bouquin formidable, extrêmement drôle, que j'ai lu à plusieurs reprises, qui est écrit donc par mon frère et ma belle-sœur et que je vous conseille d'acheter. Il faut le lire plusieurs fois alors. Il faut le lire plusieurs fois. Ouais, c'est le manuel, c'est le manifeste footiste à l'usage des petits et des glands. Bien. Et c'est chez la tête, c'est très très drôle d'ailleurs. Il y a même un disque qui est vendu dans le... qui s'appelle l'hymne footiste. Vous oui, en souvenez, l'hymne footiste, c'est... Il a fait une reprise de Amusez-vous, oui. Foutez-vous de tout. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Mais eux, ils ont fait une version plutôt punk. Ouais, hein, ouais. C'est avec des guitares stridulantes, comme tu aimais il y a quelques années. Exact. Le footisme, donc, c'est se foutre de tout, c'est ça. C'est la théorie. Ouais, c'est ça. C'est...
Bah, c'est une sorte de nonchalance. Tu sais, mon frère, il passe plus de temps dans les boîtes de nuit, à boire des coups, que à réellement travailler, finalement. Il fait les stars en boîte dans Voici, c'est pas tellement honorable. Hein. Ouais. Parce qu'à le moins honorable, surtout, c'est quand il bosse pour... Quand il bossait pour Pasqua et tout ça. Il s'est fait attraper, là. Oui, en plus, oui. Il était avec Xavier. Ouais. Tous les deux. Il a pris combien? Pour l'instant, il est en appel, heureusement. Mais ouais. Là, il a pris très lourd. Il a pris 6 mois ferme. Xavier, elle n'a rien eu sur ce coup-là. Non, elle a été... C'est dingue, ça. Non-lieu, non? Oui, non-lieu. Non-lieu pour Xavier et Basile. Il va les faire, ces 6 mois? Bah, il passe en appel. Il espère bien ne pas les faire. Parce que, tu vois, c'est... C'est dur. Un garçon qui est habitué à passer ses nuits dans les boîtes. Passer 6 mois dans une boîte. Jour et nuit dans les boîtes, passant. Oui, alors votre frère, il travaillait avec vous au début, au vrai journal? Il a travaillé pendant 3 mois et après, au revoir. Pourquoi vous l'avez viré? Je l'ai... ça a été ça. Pourquoi vous l'avez viré? Je l'ai viré parce qu'il avait du mal à s'adapter... À l'esprit canal. Voilà, il détonnait un petit peu. Il n'était pas assez de gauche. Ah ça, il n'est pas tellement de gauche. Ouais. Vous êtes catholique? Oui. Est-ce que vous êtes fier de ce que le pape a fait cette semaine? Ah oui. Oui. Ça. Très fier. Est-ce que vous croyez que c'est trop, que c'est pas assez ou que c'est bien? Il pouvait pas faire plus. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Qu'est-ce qu'il a fait? Il pouvait faire un peu plus. Un peu plus, il n'allait pas dire c'était lui qui avait conduit les trains pour aller aux Auschwitz non plus. Dites-moi ce qu'il a fait, j'ai pas su. Il a demandé pardon des 2000 ans d'antisémitisme de l'Église catholique. Il a excusé le passé, le présent, mais pas l'avenir. C'est pas fini les conneries. Il est génial ce pape, il a désingué le communisme et il a réconcilié les juifs et les catholiques. C'est énorme. Françoise. Ah, je crois que dans l'histoire, on retiendra quand même que cet homme-là fera partie des 2-3 qui ont rencontré le siècle. Ouais. Il a quand même été là au tournant, quoi qu'on pense, quelle que soit par ailleurs sa croyance. C'est vrai que c'est un homme qui a été là au moment où il y a eu des grands tournants à prendre et qu'il les a complètement assumés, qu'il a été extrêmement courageux. Et je trouve que ce qu'il fait là, alors on peut dire il fait peut-être pas assez ou pas ceci ou pas cela, mais son acte en lui-même est un acte très courageux.